Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc, cette vidéo pour répondre à la question qui m'est posée par Soufiane Rachid au sujet de l'accélération des éléments quand on a utilisé les physiques comme ça. Donc, comment accélérer en quelque sorte le rebond d'une balle quand on a programmé ça dans les physiques. Donc, je vais faire une démonstration. Là, j'avais déjà fait donc pour Majda, donc une petite démonstration comme ceci avec un cube et deux sphères. Et je vais repartir sur une autre fenêtre, on va voir comment on peut accélérer ce mouvement. D'ailleurs, à partir directement de l'animation, en fait, des physiques, hein, et également à partir de l'enregistrement de la vidéo, le but c'est de créer une vidéo. Donc voilà, je vais repartir sur un blind de nouveau, je vais réouvrir donc Blender. Voilà, on est sur Blender 2.82. Je vais ajouter un plan. Donc je repars sur la petite animation que j'avais fait donc pour Majda, hein, surface, voilà. Pour les personnes qui suivent, si vous êtes abonné, bon bah, vous savez de quoi je parle. Hein. Voilà, sphère, surface, surface, G, Z. Donc je recommence la même chose. Ici, je vais remettre un petit peu de couleur, voilà. Toujours dans le mode workbench ici. Hein. Alors, ma sphère, je vais déterminer, donc je vais dans les physiques ici. Et donc corps rigide, donc ma sphère va être active, je vais simplement lui donner un peu de, voilà, de surface ici, d'élasticité. Réponse surface à l'élasticité, voilà, pour qu'elle puisse rebondir. Bon, si je ne mets de l'élasticité que sur ça, on va voir que ça ne rebondit pas beaucoup. Donc là, je vais sélectionner maintenant mon plan, et pareil, corps rigide. Et bien là, je vais mettre en passif, en quelque sorte, comme si c'était quelque chose qui ne bouge pas et qui est solide. Donc là, il va y avoir une réponse lorsque j'enclenche. Voilà. Et là, il n'y a pas de rebondissement parce que tout simplement, le plan ici, ben, n'a pas d'élasticité. Donc on va lui mettre un peu d'élasticité également, de manière à ce qu'il y ait un rebondissement. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc... Soufiane me demande, donc Soufiane, je ne sais pas si c'est ton nom ou ton prénom, ou Rachid, peut-être c'est plutôt Rachid, je pense, ton prénom. Comment accélérer ce mouvement? Alors on va voir une chose qui est très très simple. On va pouvoir transformer cette animation, d'ailleurs on va pouvoir même placer cette animation dans la timeline à l'endroit où on veut, en transformant cette animation en image clé. Donc je vais ici dans Objet, par exemple, et je vais pouvoir... transformer cette animation en image clé en allant ici dans corps rigide, et donc je vais faire bake to keyframe, donc transformer les en image. Voilà, ok. Je clique dessus et voilà ce que j'ai. Donc, bon, bah là, c'est à ça. Le début c'est à l'image 1, la fin à 250, image par image. Je pourrais me modifier toutes les 5 images ou hein, voilà. Donc là, je vais mettre toutes les images. Voilà, ok. Toutes les images, me retrouver avec 250 images. Voilà, j'ai cliqué dessus, j'attends. Ah, j'ai pas sélectionné évidemment le bon élément, il faudra quand même le sélectionner. Donc je recommence, c'est pas grave, hein, ça fait une distraction. Voilà, bec, 250 images, et voilà. On va attendre, ça se passe, et voilà, les images sont arrivées ici. Donc à partir de là, bah, je peux modifier la surface. Par exemple, je vais faire S, surface, je réduis un sur plat. Je mets mon curseur suffisamment loin pour pouvoir réduire. Et voilà, là on voit que j'ai donc une accélération. Et en faisant ça, on voit également que j'ai pu modifier le départ de mon animation. Je peux mettre mon animation où je veux en faisant G. Je pourrais déterminer que l'animation commence à partir de l'image 120. Voilà. Et je l'ai accéléré. Et je peux aller encore plus vite en modifiant encore sa surface. Plus petite. S. Là. Voilà, et ainsi de suite. Donc là, déjà, ça permet de pouvoir déjà déplacer son animation dans une quand on fait une vidéo, hein, de la programmer à un endroit particulier, à un temps particulier, à un nombre d'images particulier, parce que le temps, là, c'est des images, hein, enfin, ça correspond au temps, puisque une image, c'est 25 secondes, à peu près, toutes les 25 secondes, vous avez une image, donc ça peut aussi, 140 images, il suffit de multiplier par 25 pour savoir le temps. Hein.
en secondes. Donc, c'est 140 fois 25 secondes. Donc ensuite, on peut également accélérer une vidéo. Donc là, je vais carrément revenir à une surface plus grande. On peut la ralentir aussi, évidemment. Alors, on va faire ça. Je vais agrandir surface. Là, j'agrandis doucement. G. S. Là. G. Donc voilà un moyen d'avoir un ralentissement. Donc là, il faudra évidemment que je vienne repositionner ici à 400. Hein. Voilà, pour aller arriver au bout de la vidéo. Voilà, et là, j'ai ralenti contrairement. Donc, tiens, ça va tomber bien, puisque là, je vais ajouter une caméra et on va accélérer la vidéo en allant ici, donc dans l'enregistrement. Ici, on peut modifier la rapidité en allant dans l'adaptation du temps ici. Donc j'ajoute une caméra. Voilà. Oui, caméra, elle est ici d'ailleurs. Voilà. CTRL-ALT-0 pour positionner la caméra sur l'ensemble des objets. Donc par rapport à la vue. Hein, toujours pareil. Hein. Si je modifie ici, si je modifie ma vue, donc dans le mode objet ici, et que je fais CTRL-ALT, ben voilà, j'ai ma vue de loin. Si je rapproche, CTRL-ALT-0, voilà. Donc, OK, on a cette animation et on va faire un enregistrement version rapide en modifiant ici la valeur de l'adaptation du temps, là. Voilà, donc soit on met un ancien temps ou nouveau temps. Là, je vais mettre un nouveau temps. Ça, de toute façon, là, franchement, c'est la même chose. Hein, que l'on utilise l'un ou l'autre, simplement. C'est quasiment la même chose. Là, j'arrive pas bien à comprendre pourquoi ils ont fait ça, mais bon, allez, peu importe, c'est pas grave. Donc voilà ce qui se passe. Bon, ben voilà, on voit que là, j'ai accéléré la vidéo. Hein. Nouveau temps, je vais mettre même 10 ici. On va voir. Voilà, 10. Voilà, donc là, on voit que ça s'est accéléré encore, et là, forcément, la fin de la vidéo. Bah pour que ça ne dure pas trop longtemps, je vais réduire la fin ici, par exemple. Voilà un autre moyen. Donc si j'avais fait le contraire, j'aurais pu, par exemple, laisser ici 100. C'est ça, j'ai un peu de mal à saisir, moi. Voilà, donc là, je reviens au ralenti. Hein, et là, j'augmente, par contre. Voilà. Là, en augmentant, bah, je vais accélérer. Hein. Voilà. Et plus je vais augmenter, et plus je vais accélérer. Voilà, donc deux moyens. Un premier d'accélérer une vidéo. Un premier plutôt d'accélérer donc une animation via les physiques. Et donc de pouvoir la déplacer dans la timeline. Hein, pouvoir donc programmer le départ de l'animation. Et puis l'animation donc via l'enregistrement des vidéos. D'ailleurs, on va pouvoir faire l'expérience de faire une vidéo, histoire qu'on voit que la vidéo, eh bien, ça fonctionne bien hein, quand même. Donc pour faire ça, je suis ici. Je vais aller donc donner un nom à ma vidéo. Je l'appelle MM. Puis je clique ici sur le dossier. Là, je vais directement faire ça ici. Voilà, et accepter, c'est ce qui va le plus vite, je ne me casse pas les pieds. Donc maintenant, on voit que j'ai donc ici le chemin d'accès de mon dossier et le nom de mon dossier, voilà. Je vais programmer donc FFmpeg. Hein. Voilà, pour ceux qui si vous suivez les vidéos, si vous me suivez dans les vidéos, hein, vous savez de quoi je parle. Hein. Encore une fois, voilà, ça peut être intéressant. Alors moi je suis pas forcément pour les abonnements, je me fiche pas mal qu'on s'abonne ou pas, mais on voit que là ça peut être intéressant pour les gens qui suivent, hein, d'être abonné éventuellement, pour donc savoir de quoi je parle, parce que là c'est pas forcément évident. Donc voilà, j'ai choisi donc un encodage MP4, voilà, et je vais donc enclencher l'enregistrement, donc soit je fais un CTRL F12,
Enfin, c'est ce que je vais faire, CTRL F12, on va voir que donc là ça va être très rapide. Voilà, CTRL F12. Là on voit tout de suite l'avantage des nouvelles versions de Blender dans les rendus. On a vraiment quelque chose qui va très 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 très, très vite. Et voilà, donc là c'est terminé. Je vais aller voir la vidéo qui doit se retrouver donc sur le bureau. Et effectivement, elle est sur le bureau et voilà que ça donne. Donc on voit bien que ça fonctionne parfaitement, il n'y a pas de problème. Voilà donc Sofiane Rachid pour les explications donc de ce que tu avais besoin de savoir. J'espère que voilà, que ça va correspondre à tes besoins. En attendant, je vous remercie tous de suivre SVM6 et puis écoutez, dans cette période de confinement, ben voilà, amusez-vous un peu avec Blender, ça va vous divertir, passer le temps. N'en abusez pas, bien sûr, parce que sinon c'est pas bon. Mais voilà un moyen de changer un peu les idées, car enfin, franchement, être confiné comme ça, ça doit être pour beaucoup de personnes extrêmement difficile. Moi, j'ai cette chance d'habiter à la campagne et de ne pas ressentir cet effet. Mais j'imagine pour les personnes qui habitent en ville et donc qui ont besoin de changer les idées et de sortir, bien sûr, puisque là, on voit des gens dehors. Des fois, ça peut être critical, mais lorsque l'on habite dans un studio, eh bien, mettre le nez dehors, c'est une chose qui est importante pour le moral. Voilà, je tenais à dire ce que je pensais là-dessus, parce que c'est vrai que ça peut paraître bizarre de voir des gens dehors, des fois, par cette période où on a besoin de rester confiné. Mais je pense qu'en respectant les espaces, quand même, il faut aussi un petit peu prendre l'air pour garder le moral. Voilà, donc merci à tous.